Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour enfin la vidéo présentation du décor. Les amis, c'est une vidéo assez simple, je vous montre un petit peu tout ce qui a changé. Voilà le nouvel environnement du coup de travail. Bah voilà, j'espère que ça vous plaira. Vous allez voir qu'il n'y a pas énormément de changements en termes de meubles, tout ça, mais le fond est plutôt sympa. Il y a un double screen également, voilà, maintenant sur le setup, donc du coup c'est plutôt sympa. Donc il y a quelques jours, voilà, je suis en train encore d'installer tout ça, il y a encore des choses qui vont bouger, mais en vrai c'est plutôt pas mal. Donc du coup je tourne la vidéo le soir même où tout est installé et c'est plutôt pas mal agencé, donc plutôt pas mal fait. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira, n'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus, c'est le but, c'est de vous montrer tout ça simplement et vous découvrirez tout ça au fil des vidéos et des lives. On aura bien sûr l'occasion d'en parler, vous allez me conseiller également pour pourquoi pas modifier 2-3 choses. N'hésitez pas d'ailleurs en commentaire à me dire si vous avez des idées, tout ça, bref je compte sur vous et on commence par découvrir un petit peu l'environnement de travail. Donc du coup juste avant de continuer, du coup je tourne la vidéo avec le téléphone, donc j'espère que le son est plutôt bon, vous me dites si c'est ok ou pas pour vous, vous me dites tout ça bien sûr. Donc du coup on va commencer déjà par le PC. Voilà, le PC en lui-même n'a pas changé, il y a toujours son petit meuble à côté, ça n'a pas bougé, donc il y a juste rock. Après il y a juste vraiment voilà ce nouvel écran vertical du coup qui est juste top. J'ai hâte de pouvoir lire vos messages et tout sur cet écran là, ce sera beaucoup plus pratique. Bien sûr le joystick, volant, tout ça, tout, vous avez tout sur mon site internet pour ceux qui voudraient savoir ce que c'est, mon casque et tout. Voilà, tout est dispo sur mon site, le pédalier est là, bien sûr, le siège c'est toujours le même, le Secret Lab. Voilà, pas de nouveauté là-dessus. Bien évidemment, les key lights, ma caméra du coup. La 6100 avec A6100, j'en ai un doute avec l'objectif Sony. Tout est dispo sur mon site aussi pour avoir les références, jfitfarmer.fr. Du coup, je vous montrerai en fin de vidéo du coup les scènes. Du coup, comme ça, c'est plutôt pas mal. On va essayer de voir. Voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez des scènes en fin de vidéo. Voilà, le but c'est de vous montrer tout ça et de me dire si j'ai des choses à corriger ou non. Donc, on est dans ma nouvelle maison. Et du coup, enfin, le décor, les gars, alors que je vous ferme la porte. Le décor, lui, n'a pas forcément changé en termes de meubles, en termes de champagne Red Bull qui vous plaît beaucoup. Moi, j'aime beaucoup aussi, donc du coup, je l'avais vraiment à le laisser. On a toujours nos miniatures ici qui sont là, voilà, avec les petites miniatures massées, glace, la petite ventileuse que j'ai mis là-haut, les petites, voilà, le petit massé en bas, les jeux farming, tout ça. Bon, il y a juste cette key light que j'arrive pas à ça, donc ça, voilà, c'est l'ajout aussi de. Dans le setup, on va dire, c'est des key lights, voilà, donc ces lumières là connectées, ainsi que là, ça c'est celle que j'avais avant aussi, et du coup, là, elles sont pas réglées, mais voilà, il y a juste celle-là que j'arrive pas à régler, bref, j'arrive pas à la connecter, je verrai ça plus tard. Donc là, c'est une nouvelle lightbox après pour la maison, tous les branchements, ouais, donc par contre, j'ai pas de prise derrière le mur, c'est juste le seul souci que j'ai, donc du coup, je vais tirer une rallonge comme ça le temps que je joue ou quoi. Bon, je verrai après pour essayer de faire passer le toning gain ici, le long là, pour ramener du coup, parce que les prises sont derrière les PC, j'avais pas prévu de prise ici. Bref, voilà. Mais du coup, l'écran, je vous mettrai sur mon site internet, c'est le nouvel AOC également, voilà, qui permet de. Bah, c'est un 75 Hz qu'on peut retourner, ce sera bien pratique pour le retour OBS, chat et compagnie. Donc, du coup, voilà, c'est plutôt pas mal pour ça. Après, j'ai remis vraiment tous les trucs, mon bureau n'a pas changé, et au final, je pense qu'il est bien. Je l'ai pas collé au mur pour laisser de la place derrière, c'est le bureau que j'avais, bon, il est ce qu'il est, mais j'ai toujours mon deuxième PC qui est là, connecté encore à notre écran, mais ça restera encore à finir mon Mac, il est toujours chez moi, mais bon, ça n'a pas changé non plus, c'est pas le plus important. Je pense qu'il aura sa place ici. Alors c'est vrai que ça va faire beaucoup d'écran, mais bon, en vrai, c'est pas évident de tout caser. Donc du coup, voilà, le micro, tout ça, ça n'a pas bougé. Le volant aussi, c'est toujours chez 920. Le micro, c'est le Onamic 900B, je crois. Bah voilà, après, vous êtes clair sur mon site internet. Hein, du coup, okay, c'est surtout pour vous montrer l'environnement de travail. La vidéo sera pas forcément très très longue, mais voilà. Du coup, je vous propose après de passer directement in-game. Bien sûr, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées. Voilà, ça se laisse un peu vite, donc on verra ce qu'on peut mettre. À me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Et puis, on va essayer de découvrir, par OBS, du coup, en scène de jeu, ce que ça peut donner. Et puis, voilà, bien sûr. Et aussi, si, il y a ça aussi, les gars. L'ampoule Philips Hue, connectée également, que je peux régler. Tout est en Philips Hue, ça veut dire que j'ai celle-ci. J'ai celle-là, j'ai celle d'en bas, c'est tout du Philips Hue, les gars, et c'est tout, et vraiment je peux régler ça comme je veux, c'est vraiment le top, même dans la maison, j'en ai mis un petit peu partout aussi, et c'est vraiment le top. Donc pour le reste de la maison, on le verra peut-être plus tard, vous le verrez peut-être plus tard, là pour le moment on est juste dans la partie, partie gaming, on va dire, avec un sol en stratifié, voilà, pour ce, un peu le point total, voilà, les murs blancs et un beau mur bleu en paillettes. Alors je sais pas si on voit un petit peu les paillettes, les gars, au mur, regardez, mur pailleté, c'est vraiment stylé de fou en vrai. Voilà, avec la petite moto que j'ai remis là, c'est un petit clin d'œil à la moto, le petit trophée Giant qui est toujours là, là ça n'a pas bougé, en vrai, le petit tracteur de Kevin aussi, le 900 là-bas de mon petit Rome aussi qui est toujours là-bas, enfin bref, il y a toujours les miniatures qui sont là, ça va bouger, donc le bas c'est la partie que vous ne voyez pas, donc c'est un peu le bordel,
mais on verra pour réagencer ça comme il faut. Du coup, je vous montre maintenant in-game ce que ça peut donner avec le rendu sur OBS. Donc du coup, les amis, on se retrouve sur l'interface de jeu. Donc désolé pour la petite... c'est vraiment pas ouf le truc OBS. Là, j'avoue, le fond est pas ouf. Mais du coup, je peux pas accéder à Internet. Du coup, je peux pas trop montrer de fond derrière. Plutôt sympa. Le but, c'est de regarder vraiment la petite fenêtre où je suis et de voir un petit peu ce qui commence à s'agencer, tout ça. Mais moi, je trouve que c'est plutôt pas mal comme ça. On voit vraiment un peu plus par rapport à avant les deux colonnes, on va dire les deux meubles derrière avec toutes les miniatures derrière. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Sachant qu'après, il y aura les keylights que je pourrais allumer et avoir la lumière plus sur moi pour m'éclairer un petit peu plus. Mais en vrai, la position comme ça me convient plutôt bien. Je sais pas ce que vous en pensez en commentaire, dites-moi tout ça. Bien sûr, si vous avez d'autres idées, je pensais également, je voyais, mettre mon petit logo ici en bas là. En vrai, ça peut être stylé de mettre mon petit logo en bas là. En bas, en fait, c'est au ras de la plinthe sur le mur derrière, c'est un mur qui est en biais. Et du coup, je trouvais ça aurait pu être pas mal de mettre mon petit logo ici. En vrai, moi, je trouvais ça carré. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Le petit panneau Red Bull, lui, est toujours là, comme vous l'avez vu. Mettre mon petit logo, je pense que ça peut être stylé comme ça, en vrai. Du coup, on voit bien tous les meubles, enfin, tout ce qui est sur les meubles et tout, pardon, c'est propre. Moi, j'aime bien. Le mur bleu derrière ressort bien, il est vraiment pétant. En vrai, j'aime beaucoup. Il y a juste là le keylight qui est ici, en vrai, pour tout vous dire, cette keylight... D'abord, je vais y arriver. Cette keylight là, cette keylight là, que j'arrive pas à connecter comme je veux, donc ça, je verrai ça aussi après. Mais voilà, en vrai, c'est plutôt stylé. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Mais je pense qu'avec des petites lumières qui m'éclairent, je pense que pour la scène de jeu, ce sera plutôt pas mal. On va passer maintenant à la scène d'intro des vidéos et scène d'intro des lives. Donc maintenant, les gars, du coup, on passe sur la scène d'intro de live, d'intro de vidéo. Donc du coup, je vais essayer de faire vite. Donc bien sûr, toujours pareil, de la petite lumière qui va m'éclairer pour voir un peu plus, pour me voir un peu plus. Je pense peut-être décaler la caméra un petit peu plus par là, je pense, avec le rendu. Je vais regarder, on va même essayer de faire ça ensemble, du coup. Là, comme ça, en vrai. Sachant qu'après, en plus, il y aura le chat et tout. Je vais essayer de réagir ça un petit peu différemment. Mais en vrai, même, je peux même encore le faire un petit peu plus. Regardez, hop. Voilà, qu'on voyait limite du blanc de l'autre côté. Et comme ça, ouais, voilà, en vrai, là, je trouve que c'est pas mal comme ça. En plus, on voit bien l'ensileuse ici. Toute la colonne ici, on la voit nickel. En vrai, c'est propre. Bien sûr, la petite lumière qui va m'éclairer pour me mettre un peu plus en avant, j'avoue. Mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça ressemble beaucoup, bien sûr, à ce que j'avais avant. Hein. Ça va pas changer le tout. Mais avec le petit mur pailleté, on voit les petites paillettes qui ressortent ici aussi. C'est plutôt pas mal. En vrai, j'aime beaucoup, beaucoup. Vous me dites bien sûr ce que vous en pensez en commentaire de tout ça. Si vous avez d'autres idées également, voilà. Mais je mettrais bien mon petit blaze ici, là. Enfin, mon petit logo, j'ai fait le fermeur en bas. Mais ici, carrément, en bas de ras de la plainte. Ça peut être stylé. Donc voilà, vous me dites bien sûr tout ce que vous en pensez. Voilà, vos idées. Tout ça, n'hésitez pas. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. Bien sûr, on se retrouve dans quelques temps pour une nouvelle vidéo, un nouveau live, bien sûr, dans cet environnement-là. Et j'espère aussi que sur Internet, vraiment, le jour J, parce que c'est vrai qu'avec Orange, des fois, on peut tout s'attendre à des surprises. Donc s'il n'y a pas, bien sûr, je vous tiendrai informé sur les réseaux. Mais dès que ça attaque, les gars, dès qu'on a le feu vert d'Orange, dès que la Livebox est en route, les gars, on y va, on charbonne. Donc je compte sur vous et je vous dis bien sûr à la prochaine pour de nouvelles aventures. J'ai hâte de faire plein de choses avec vous dans ce studio et j'espère que vous serez là présent avec moi. Et sachez-le, ça fait énormément plaisir avec un nouveau screen et tout à côté. Franchement, c'est propre. Donc j'espère que ça vous plaira. Du feu de Dieu, comme on dit. Je vous dis à la prochaine, les amis. Et j'ai hâte, tout simplement. Ciao!